Bon allez, c'est parti les amis. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Et oui, aujourd'hui, 9e match du tournoi, c'est Motin 95, on est de retour. Et oui, pour enfin ce dernier tour du tournoi, du deuxième tour du tournoi les amis. Et ça fait énormément plaisir parce que après on va passer au tour des perdants, c'est-à-dire qu'ils vont tous jouer l'un contre les autres. Et on va vraiment se faire plaisir parce que pour le coup, je pense qu'il y a moyen. Il y a moyen parce que les perdants, forcément, s'ils perdent, tout le monde est éliminé. Et attention, pour les gagnants, ça va se corser. Pour la suite des gagnants, il n'y aura pas de deuxième chance, c'est-à-dire que s'ils perdent, il n'y aura pas de repêchage, quoi. C'est-à-dire que malheureusement, s'ils perdent, ils perdent, quoi. C'est la fin pour eux. C'est un peu comme le foot au départ. Vous avez une deuxième chance, vous avez le droit de perdre un match. Mais au bout d'un moment, même si vous gagnez tous vos matchs, vous n'avez plus le droit. Bon, aujourd'hui, les amis, on est avec Tito Nini. J'espère, comment ça va? Ça va, essayer toi? Ouais, impeccable. C'est la première fois que tu commentes ce tournoi-là avec moi. Comment ça, tu le sens bien? Moi, nickel, mais tout ce que j'espère, c'est que Sora et puis Bisguy qui vont perdre, en fait. Ouais. Enculé. C'est pour ça que je me rappelle au dernier tournoi, il m'a enculé à sec avec, quelques petits trucs, un fusil à pompe dès le départ. Première partie, il me fout un fusil à pompe. Du coup, je me suis fait enculer et puis je suis parti du tournoi comme ça, la queue entre les jambes. C'est pas grave. Je me suis vengé la partie d'après, j'étais avec CK, je me suis vengé. Oh, ça écrit sur là, oh, mort de rire, j'en peux plus. Tito Nini diffuse pas sa voix. Oh mon dieu, merci. Diffuse, mets ta voix, on va la mettre tout de suite. Mets ta voix, tu mets. Dans partie paramètres de la partie, tu mets toujours autorisé ta voix. Voilà. Toujours autorisé? Ouais, toujours autorisé. Faut que j'aille où tu m'as dit? Dans les paramètres de la partie chat, en fait. Ouais. Et tu vas diffuser ta voix toujours autorisé. Oh là là. Alors, attends, tu m'as paumé. Attends, tu m'as paumé. Tu vas paramètres de la partie. Voilà. Tu vas dans les paramètres de la partie. Et là, autoriser votre voix à être diffusée. Toujours autorisé, tu mets. Ah putain, faut qu'elle soit autorisée. Toujours autorisé. Là, voilà. C'est bon. Oh merde. J'étais parti sur autant. Bon, moi, j'arrive, vous voyez plus d'images, mais j'arrive. Hein. C'est normal. Voilà. Les amis, ça y est, est-ce que vous entendez Tito Nini? Vas-y, parle un petit peu. Vous m'entendez bien? Bon, est-ce que vous entendez maintenant Tito Nini? Faut qu'on puisse l'entendre. Oui, vous inquiétez pas, vous allez l'entendre, en tout cas en vidéo, il n'y a pas de souci. On l'entend, vous inquiétez pas. Quoi qu'il arrive, en vidéo, on l'entendra, il n'y a pas de souci. Quoique, je suis même pas sûr. les amis, voici Tito Nini. Maintenant, il est là. Même si on l'entendait pas, il est là. Hein. Les amis, je vais vous demander à Extase, Azorfall, de quitter le chat, forcément. Et à Miss Geek et à Sora de quitter également le chat. Parce que je sais très bien que vous êtes connecté. Allez, dégagez, bande de peignasses. Qui va spawner où et comment et à quel endroit. Donc les amis. voilà. Bon jeu, merci. C'est bien, Extase dit bon jeu à tout le monde. Hein. Mais écoutez, c'est parti les amis, on va lancer la game. Alors vas-y, lance. Ça y est, c'est parti avant même que je dis lance. Et oui. La lancer. C'est parti les amis. Il va perdre. You
petite. Alors, Sora avec Miss Geek contre Azor Folix. Ah, c'est parti, un match, le 9e match du tournoi, c'est parti. On va débuter avec Arden Forest, les amis. On a sélectionné, les votes ont été pour le fusil à pompe. Donc, nous, on a sélectionné le fusil à pompe scié, le canon scié. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'il a deux coups, si je m'abuse. Je crois qu'il a que deux coups. C'est ça. Hein, et on a mis une poignée ergonomique, tir rapide et alors tu appuies sur R3 direct pour sélectionner quelqu'un. Hein. Ah bah voilà, il y a quelqu'un qui est parti avec c'est qui? Ah bah c'est Miss Geek qui est parti avec voilà, il est parti avec les autres. Voilà, impeccable. Voilà, ouais. Ça commence, c'est parti les amis. Je me mets sur Miss Geek. Hein. Voilà, c'est parti. Allez, en route. Alors, attention. Alors, je suis sur X. Ça, là, il y a les deux en face de Miss Geek. Ouais. Mais il l'a vu. Ah, voilà. Avec ça, ça a tué Miss Geek. Voilà, c'est parti. Ça commence. Allez, je suis sur Sora, là. Ça marche. Oh, oh. Oh, bien joué de la part de Sora. Ah bah non. Xaza a tué Sora. Mon dieu, mon dieu. Allez, 3 ans pour l'instant. C'est parti. Je crois qu'on leur a mis une bonne arme de merde. Ouais. On leur a peut-être mis une petite arme de merde, mais bon, c'est pas grave. Alors c'est peut-être moi, mais j'ai l'impression que ça bug un petit peu, non? Bah Sora. Bon bah on verra bien, mais en tout cas 4-3 pour l'instant. Ouais. Ah non, c'est peut-être moi en fait, c'est tout simplement moi qui dois bugger un petit peu parce que apparemment par rapport moi, aux ça bug pas, moi ça bug pas. Non, ça doit être moi, hein. Ça doit être moi, c'est pas grave, hein. Vous inquiétez pas, c'est normal, vous inquiétez pas, en tout cas pour les équipes ça doit pas bugger du tout. Bon allez, 5-3, Exos qui vient d'envoyer un fusil à pompe sur Sora, c'est encore impeccable, hein. Allez, c'est parti. Allez, Miss Geek. Je suis sur... Sachant que déjà Antoine et Emilio, depuis quelques semaines, ils n'arrêtent pas de s'entraîner. Ouais, c'est ça. Mais bon, après je dis ouais, ils vont perdre, mais on sait pas ce qui peut se passer. Exactement. Oh, Azorfall. Ils peuvent gagner comme perdre. Ouais, non mais c'est ça, on peut jamais savoir, un match n'est pas joué à l'avance à chaque fois. Oh, attention, très bien de la part de Azorfall, mais malheureusement il perd son combat contre Miss Geek, le temps qu'il recharge, malheureusement il faut... Le problème du canon scié, c'est qu'il a que deux balles, vous rechargez quand il y a deux personnes en face de vous, il faut savoir bien viser et ne pas tirer les deux balles, il faut en tuer un. Et la deuxième, voilà, comme vient de faire Azorfall sur Miss Geek et Sora, c'est très très bien. Il faut pas l'utiliser. Voilà, une balle, deux balles. Voilà, ça c'est impeccable. En plus, il vient de faire deux doubles à la suite. Ça fait 4 points d'un seul coup, 13-7. Ça va très très vite, les amis. Ça va très très vite. Attention, oh, paralysante direct. Attention, ah, oh. Eh oui, Je vais aller voir Sora comment il se débrouille. Ouais. Moi je vais essayer d'aller voir Miss Geek si je... Voilà, je suis sur Miss Geek là, attention, c'est parti, il suit Xaz. Oh, c'est dommage, il s'est tombé à la dernière minute. Oh lolololol. Et Azorfall l'a vu forcément, il l'a tué. Oh, c'est dommage, hein. C'est vraiment dommage. 17-9. Allez, on y croit, Miss Geek. Tu sais jouer. T'inquiète pas, ils y croivent. Ouais. Oh, Azorfall, bim. Allez, là, par contre, Sora, c'est mangé. Sora, là, bim, il a l'autre à côté. On va aller voir... Allez, Sora, alors c'est Miss Geek. C'est Miss Geek, il faut dommage. Pas tirer de très loin. Hein. Ouais. Non mais c'est dommage, hein. Miss Geek avait lancé tout ce qu'il fallait pour tuer les gars, mais ils ont réussi. Oh, bien joué de la part de Miss Geek avec sa charge explosive qu'il l'a lancé sur Xaz et il s'est fait tuer derrière. Bien joué Miss Geek. Attention, Azorfall est là, mais malheureusement, ils se sont vus et c'est Azorfall qui gagne le combat.
Attention, la petite paralysante, c'est plutôt bueno là, à ce moment-là. Bien joué, dommage. Ah, par contre, c'est dommage, ça aurait pu mieux faire. Ah, avec ça, il a pas vu, attention. Oh oui, ah, dommage, manque de précision de la part de Miss Geek, mais c'est pas grave. Il est reparti. Bim, élimination, c'est vrai que ça dit, il vient de se venger, et oui, c'est plutôt pas mal. Bien joué, attention, attention, vous êtes en train de vous faire rocher des deux côtés. Allez, hop là, malheureusement, Hazardfall vient d'éliminer les deux, Miss Geek et Sora. Allez, c'est parti. C'est une carte assez restreinte, les deux d'un seul coup, la petite double thème. Bravo, Miss Geek, ouais, 26-16. Bien joué. Ouais, franchement, bien joué. On va aller changer, on va se mettre sur un peu Extase. Oh, je suis sur Extase. les deux, Extase et Hazardfall, viennent se faire un kill chacun. 28-16, grosse déculottée. Attention, les deux sont là. Ah, malheureusement, il a doublé la charge explosive de Miss Geek. très bien joué de la part de Miss Geek. Hein. Hein. Attention, c'est chaud bouillant. Attention, il était par terre. Ah, c'est Miss Geek qui était par terre. Bien joué de la part de Miss Geek. Bravo. Allez, 29-19. Rien n'est joué. Ils peuvent remonter. Rien n'est fait. Faut juste qu'ils fassent attention, qu'ils jouent stratégiquement. Allez, voilà, bien joué. Miss Geek qui sauve. 30-20, c'est serré. Ah non, c'est hasard. 10 points de retard. Ouais. 10 points de retard, mais c'est... Allez, c'est parti. Ah, Miss Geek... Ouais. Alors, on me dit, je suis sur Sora et pas Miss Geek. Ouais, mais en même temps, je tourne un coup, je sais pas sur qui je suis. Mais si, je peux faire ça. Là, je suis sur Sora. On va regarder un peu Sora. On va voir comment il va jouer un petit peu. Allez, attention, ça arrive par derrière, attention, ah là, vous allez dans le mauvais sens les gars, aïe. Miss Geek derrière toi. Attends, malheureusement, c'était la dernière. Dommage. 34-21, ah là, ça monte, pour Extase et Hazardfall, ça monte très vite. Oh, cette paralysante là, mais méchante. Ouh, 35-21, 22, allez, ça y va, Miss Geek qui vient de gagner sa game. On va changer, on va essayer de changer. Voilà, on va aller sur Miss Geek cette fois. Bah non, j'ai dit Miss Geek, voilà. Et oh. Mais ça bug. C'est ça. Voilà, j'ai dit Miss Geek. Attention, Hazardfall est là. Ouh, Hazardfall vient de gagner son duel. Et Miss Geek est reparti. On va voir ce qui va se passer. Attention, Extase est en face. Ils vont se rendre contrer, c'est sûr. Ah oui, ça y est. Ah, mais non, Miss Geek n'arrive pas à l'avoir vu, sa charge explosive. Du coup, il tire pas. Heureusement qu'il ne tire pas. Bah non. Ah oui, ça y est, il va l'avoir. Oh, non, il recharge. Attention. Oh, la coup de patte. Oh mon dieu, c'est énorme. Oh là là. Allez, c'est parti. Où est Extase? Où est Hazardfall? Hazardfall est en face. Attention, on rencontre encore. Ah oui, coup de canon scié sur Miss Geek. Et oui, on va changer. Il est en train de se prendre une méchante branlée. Ah ouais. Je vais aller sur Extase. Et je vais sur Hazardfall. Voilà, je suis sur Extase. Hein. Je suis bien sur Extase. Hazardfall est en face. Il l'a pas vu. Oh, il l'a pas vu. Attention, petite duel entre Miss Geek et... Ah voilà, Extase, et c'est Extase qui gagne son duel. Attention, c'est chaud, c'est super chaud. Hein. 42-25, attention, il reste plus que 8 kills pour Hazardfall et Extase. Ça va être très chaud, mais ils peuvent revenir, s'ils arrêtent de se faire tuer... Ah, bah non, Allez, c'est parti. Ah si, c'était Sora qui venait de... De tuer quelqu'un. Oh, Hazardfall, la double. La double. Allez. Allez, 44-27. C'est pas bon. Plus que 6 kills. Oh, bah, que faisait Miss Geek? Mais que faisait Miss Geek? Il ne bougeait plus. Il est en train de se toucher. Oh, Sora. Allez. Ils ont perdu, dommage pour eux. Ouais. Mais.
Ils vont peut-être pouvoir remonter. 4 points. 4 points. Allez, Sora est en face. Oh, bien joué de la Paradise Face. Oh, oh, Miss Geek, elle est la doublette. Oh, ça c'est bon ça. Allez, c'est reparti. C'est reparti. On sent. Mais bon, c'est reparti un peu tard. Mais ça peut revenir. Il peut nous faire une petite surprise. On y croit, on y croit. Miss Geek, je sais très bien qu'il serait capable. Oui, oui, Miss Geek serait capable là. À la dernière minute, il peut revenir. Il peut revenir. Attention, vous êtes en. Oh là 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 là, c'est chaud, c'est chaud. C'est, si vous vous faites. Attention, putain, Sora est en face. Sora ah, et Miss Geek sont en face. Bien joué. Oh ah oui, la petite élimination d'Exaz sur Miss Geek. Ah là là, plus que 2 points. Ça va être compliqué contre ces deux bons joueurs, Exaz et Hazardfall. Ils sont très très bons, ils sont très très bons. 26-14 pour Exaz et 22-18 pour Hazardfall. Oh là 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 là, bien joué Sora, très très bien joué. 34, oh, plus qu'un point, plus qu'un point les amis, qui va gagner le dernier point? Qui va gagner? Attention, 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 ça se rapproche, ça se rapproche, attention. Ils sont, ah là là, ah, oh, c'est putain, qui a gagné? Dommage. C'est qui? Ah, c'est ah Extad qui a gagné. C'est, ouais, c'est Hazardfall qui a gagné son dernier coup, c'est ça? Ah non, c'est... Ouais, c'est... Je crois, c'est oui, Hazardfall, ouais, c'est Hazardfall qui a gagné son dernier coup. Bien joué de Hazardfall, oh là là, très belle kill de Exaz pour la dernière démonstration. Merci aux équipes d'avoir participé, c'est très 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 joli, on va applaudir comme Anthony fait. Bien joué, bien joué. Voilà, voilà, très très bien joué les amis, c'est, ça a été un bon petit match, hein. 50-33, bon, on s'en doutait un petit peu. Mais après, s'il n'y avait rien de perdu, ils ont quand même bien joué, ouais, j'avoue, ils ont voilà, bien joué. Voilà, rien n'est perdu. Ce qui va se passer maintenant, pour la suite, bien les joué, amis, Xtaz. On va tout expliquer. Bien joué, Xtaz. Vous avez très très bien joué, hein, Hazardfall, très très bien joué, hein. Vous merci. Avez... Même merci, si on a merci. Vu que vous aviez triché, hein, mais c'est pas grave. Non, je plaisante. Ah bon? Triché? J'aimerais bien savoir pourquoi alors. Parce que... Non, c'est bon. Bon, les amis, comment ça va se passer? C'est très simple. C'est très très simple. En fait, ce qui va se passer, c'est que Exaz et Hazardfall vont aller dans le tableau des gagnants, forcément. Hein. Donc, ils vont affronter FaZe Lunatic et. Attention, Axe. Cette fois-ci, Axe, et cette fois-ci, FaZe Lunatic devra être là, sinon, s'il n'est pas là, ça sera perdu pour lui, hein. Parce qu'il va y avoir, en fait, un triple match, pas sur la même partie, mais c'est-à-dire en plusieurs parties, c'est-à-dire en trois parties. En fait, Exaz et Hazardfall vont affronter FaZe Lunatic et Axe, plus... Killer des Enfers et GTX Kill. Et ensuite, GTX Kill et Killer des Enfers vont affronter FaZe Lunatic et Axe. Et en fait, c'est ceux-là qui vont gagner peut-être soit les deux parties. Et si tout le monde a gagné qu'une seule partie partout, c'est-à-dire qu'on va prendre seulement le nombre de points que vous avez fait. Voilà, le nombre de points que vous avez fait. Et en fait, il n'y aura qu'un seul éliminé. Et il sera complètement éliminé. Voilà. Okay. Il n'y aura pas de double chance. Il n'y aura pas de double chance. Malheureusement, ça sera terminé pour cette fois-ci. Parce qu'au bout d'un moment, bah, il faut arrêter les doubles chances. C'est un peu comme le football. Et voilà. Alors, ça se complique. Malheureusement, c'est comme ça. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc, maintenant, attention. Vous aviez le droit à votre double chance jusqu'à là. Maintenant... Vous avez tout gagné, c'est interdit de perdre, sinon vous avez complètement perdu. Ou alors, il faut terminer deuxième, quoi, du classement pour le prochain match. Là, dans ce cas, vous allez réaffronter une deuxième fois l'équipe. Vous aurez le droit de réaffronter une deuxième fois l'équipe si vous perdez en deuxième place. Ça marche. Si vous voulez. Voilà. Knock. Pour les perdants, c'est-à-dire Miss Geek Sora. C'est-à-dire, au départ, nous allons... Youpi, vont nous affronter. Ouais, prochain match, ce qui va se passer, en fait, ça va être... Ils sont pas là. Non, mais c'est pas grave. Le prochain match, ce qui va se passer, c'est... ça va être, en fait, tout simplement... ça va être Bob avec Carcassix contre Bibi et Jake qui vont s'affronter.
pas de perdant, forcément. Enfin, un perdant. Le retour de Carcalix. Hein, voilà, ouais. Exactement. Le retour, parce que il aurait dû commenter avec nous. Vous avez vu que pour les matchs, il n'a pas été là du tout, mais c'est parce qu'il a déménagé, il a fait plusieurs choses. Donc, malheureusement, il n'a pas été là. C'est sur les matchs, celui qui est assis, vous savez, façon bizarre, sur un rocher. Bon, enfin, bref. voilà. Et du coup, nous avons pour la suite. Je pense que je vais faire un petit truc, tout simplement. Ah, Sora qui est de retour. Comment ça va, Sora? ça va, mais comme ça, les gars, les deux là, c'est deux boules collées, les mecs, hein, c'est pas possible. Hein. Ils jouent pas, c'est pareil. Hein. C'est un truc de ouf. Hein. deux morpions, toi. Ah. Bon, les amis, je vais vous dire ça tout de suite pour les prochains matchs. Donc, on a dit. Carcassi contre Bibi et Jack, Zalfan et Kodak contre Jumpy et Homer. On a Vanessa et With Life Girl contre Mercenary et la Miss Tigresse. Et pour la suite, c'est-à-dire pour les autres perdants, c'est-à-dire Kamoti et Titounini, c'est-à-dire nous, contre Seb et Julien et contre. Tout simplement, Miss Geek et Sora. Voilà. Donc c'est à dire, c'est une menace à triple. C'est un triple match. C'est à dire que c'est exactement, il va se passer exactement la même chose que Exaz et Azerfall contre Face Lunatic et Axe et contre Killer des Enfers et GT Skill. C'est à dire que là, c'est exactement la même chose. C'est à dire que on va s'affronter tous les trois. Il y aura trois matchs, c'est-à-dire Motina 5-5 et Titounini contre Seb et Julien, contre Miss Geek et Sora. Et donc en fait, par contre là, la seule chose qui diffère, c'est que là, il y aura deux éliminés au lieu d'un. Ah ouais. Donc voilà, c'est-à-dire celui qui aura le plus de points sera sélectionné pour la suite. Voilà. Est-ce que ça... Tout le monde a tout compris? Oui. Juste un truc à dire, en plus Sora, il est plutôt fort. À mon avis, j'espère qu'il va gagner là parce que. il nous a donné du fil à retordre en vrai, il nous a foutu de 7 trucs. Pourquoi tu mens? Ah non, c'est. Et donc, je sais pas qui j'ai mis un coup de pelle, mais il l'a pris en pleine tronche. Hein. C'est moi. Bon, en tout cas, bien joué à tout le monde. Bien joué à tout le monde, bien joué. Ouais, joli match. C'est perdu encore pour personne. Ouais, joli match. Personne n'est encore éliminé, mais la suite viendra ou les éliminations viendra. Voilà. Les amis, je vous dis très bien joué à tout le monde, bien joué à Sorfolé avec ça, c'est bah oui de la part des forcément. ah bah oui. Ah non. Ah c'est énorme. Bon allez les amis, je vous dis à très bientôt. Ciao, bye. À très bientôt. Bye bye. Allez.